Des vacances mouvementées. En cette saison estivale, Hugo Clément et sa chérie Alexandra Rosenfeld ont pris le large du côté de la Nouvelle-Aquitaine. En juillet dernier, le journaliste avait révélé sur Twitter avoir fait l'objet de menaces et d'insultes de la part d'un local qui n'appréciait pas vraiment sa présence dans la région. Profite bien au Cap Ferret chez les riches bobos comme toi espèce de MRDE, avait notamment écrit l'internaute en question. Puis il ajoutait, chaud de capter ta voiture et de la rayer, con ARD. Rentre chez toi, tu n'es pas le bienvenu. À l'époque, Hugo Clément avait préféré en rire, appelant alors ce dernier à se calmer. Mais cet internaute répondant au nom de Baptiste n'a pas été le seul à s'en prendre au compagnon d'Alexandra Rosenfeld. Dans un post partagé ce samedi 14 août 2021 par le journaliste, on peut voir qu'un autre individu appelle publiquement les internautes à retrouver Hugo Clément pour l'intimider. Et les Basques. Il y a Hugo Clément qui se promène chez vous? Pensez qu'il travaille à supprimer les filets verticaux aussi. Coincez-le pour discuter et plus y affinité peut-on lire. Puis, dans un autre message. Cet homme écrit, il faut monter un commando pureuse cara et le faire couiner ce con. Face à ces menaces très intimidantes, Hugo Clément, qui avait déjà fait l'objet de menaces au cours de sa carrière, a décidé de porter plainte comme il l'annonce sur Twitter toujours ce samedi 14 août 2021. Plainte déposée ce matin contre ce responsable de la FDSEA 31, un syndicat agricole de Haute-Garonne. Note de la rédaction, qui appelle à monter un commando pour me faire cuiner. Aucune menace ne nous empêchera de continuer notre travail d'information. Écrit-il. Une initiative ayant récolté l'approbation de ses abonnés. Cela prouve que ton travail leur fait peur. Point. Merci pour tout ton travail d'information, soutien total, bravo de montrer la réalité du terrain et de ces tristes personnages. Ou encore oui monsieur. Continuez votre travail. Votre engagement pour la cause animale est extrêmement important et bien sûr, très touchante. PS. Je suis des Pyrénées-Atlantiques, et j'ai honte de ce type. Peut-on lire dans les commentaires? Le jeune papa se souviendra encore bien longtemps de ses vacances de l'année 2021.